Ouais, deux victoires consécutives. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo débrief entre Niort et Saint-Étienne. Ça s'apparentait vraiment au match piège, mais il a été déjoué par les Stéphanois en toute fin de match avec un but de Gaëtan Charbonnier marqué à la 87e minute. Une victoire qui nous permet de sortir de cette 20e place. On n'est même plus 20e. On n'est même plus 19e, on est passé 18e. Et oui, grâce à cette victoire, l'AS Saint-Étienne passe devant son adversaire du soir, les Chamois Niortais, qui plonge donc à la 19e place. Et c'est le Nîmes Olympique qui est donc 20e après leur défaite 3 buts à 1 face au Havre. Une victoire ultra importante qui nous permet de revenir à 3 points de Dijon. Voilà, les Verts l'ont fait, deux victoires consécutives face à des concurrents directs au maintien. Laval et Niort, tout n'a pas été parfait durant cette rencontre, comme c'était le cas contre Laval. Cependant, c'était quand même mieux que contre Laval. Mais il y a toujours des choses où ça a pêché du côté de Saint-Étienne. Mais j'ai envie de dire, de toute façon, l'essentiel est là. Les 3 points sont assurés alors que le match était compliqué sur une pelouse qui n'était pas du tout une pelouse de foot. Il faut le dire, avec toute la terre qu'il y avait, on s'enfonçait dans la pelouse, comme l'a très bien dit Margot Dumont sur le bord du terrain. Pareil, les joueurs qui n'arrêtaient pas de glisser, on l'a vu avec Jean-Philippe Crasso. Voilà, on va pouvoir y revenir dans le débrief de cette rencontre. Je voulais faire 3 parties à la base avec, en premier lieu, le débrief de la rencontre. Ensuite, revenir sur la défense de Saint-Étienne qui n'a pas pris de but depuis presque 3 matchs. Et je voulais parler également de l'attaque qui n'avait pas fonctionné. Mais avec ce but de Jean-Philippe Crasso, Gaëtan Charbonnier, pardon, finalement, ça a quand même pas mal fonctionné. Donc, on va faire 2 parties. On va rester sur du positif. On va garder une nouvelle fois le sourire. Ça fait du bien. 2 victoires d'affilée. Saint-Étienne qui n'a toujours pas perdu en 2023. Donc, ça fait vraiment plaisir. Donc, voilà, je vous propose de commencer tout de suite avec le débrief de cette rencontre. Ouais, juste avant de commencer, si vous ne me voyez pas trop bouger la tête, c'est normal, je me suis fait un torticolis ce matin et puis avec le but de Gaëtan Charbonnier, ça a un petit peu empiré, mais bon, c'est pas très grave, l'essentiel est assuré. La victoire est là. Pour cela, Laurent Batless avait mis en place un système en 4-4-2. On pouvait penser que c'était un 4-3-3 en début de rencontre. Un changement seulement par rapport au dernier match, donc contre Laval, c'est Ibrahim Awadji. On le sentait venir, il n'avait pas du tout fait une bonne prestation. Il était remplacé par celui qui avait plutôt fait une très 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 bonne entrée qui avait permis de débloquer le match après le superbe ballon donné à Mathieu Cafaro. C'est donc Jean-Philippe Crasso qui a remplacé Ibrahim Awadji dans ce 11, mais c'était un 4-4-2 avec Gauthier Larsonneur bien sûr qui était aux cages. Il n'a pas eu énormément de travail à faire. Il était un petit peu plus sollicité quand même en fin de match, mais il l'a superbement bien réalisé. On pouvait retrouver sur le côté droit Denis Sapia, en défense centrale Anthony Briançon, Seydou Sow. Très très gros match des deux défenseurs stéphanois. Sur le côté gauche, Léo Pétraud qui avait vraiment un profil un petit peu plus défensif que j'ai trouvé que d'habitude. Bah, ça m'arrange bien parce que ses centres, ce n'est pas du tout ça. Au milieu de terrain, le super duo, magnifique franchement, surtout en première mi-temps. Aymen Mouefek, Benjamin Bouchouari. Le nombre de ballons récupérés au milieu de terrain, c'est impressionnant. Le nombre de projections vers l'avant également, c'est impressionnant. On va avoir l'occasion d'en reparler tout de suite dans le débrief. Ensuite, on pouvait retrouver sur les côtés, côté gauche, Victor Lobry. Match compliqué pour Victor Lobry qui s'est quand même pas mal ressaisi en seconde période. Mais la première mi-temps, voilà, ça a été vraiment difficile pour lui. Sur le côté droit, Mathieu Cafaro. Et enfin, le duo d'attaque composé de Jean-Philippe Crasso et de Gaëtan Charbonnier. La première mi-temps, elle n'a pas été très très bonne de la part de Saint-Étienne. On avait plutôt la maîtrise du ballon, 55-45% je crois au niveau de la possession de balle. Mais c'est quand même Saint-Étienne qui avait le plus de phases offensives, qui avait une possession de balle qui était plus dans le camp adverse par rapport aux Chamois Niortais. Et la situation n'a pas pu être débloquée donc en première mi-temps. On a senti des Stéphanois qui ont été rapidement bien pris par cette équipe de Niort qui est très bien rentrée dans ce match et qui était complètement au pressing, qui n'a pas laissé d'espace à Jean-Philippe Crasso et Gaëtan Charbonnier qui n'ont pas forcément pu s'exprimer. Et sur les côtés, ça a eu vraiment du mal à fonctionner, avec notamment Victor Lobry qui. Voilà, qui n'arrivait pas à faire de bons centres, à donner de bons ballons, qui n'arrivait pas à se projeter, souvent des ballons perdus ou des passes en retrait. Derrière, on avait un Léo Pétraud sur le côté gauche qui était plus en défense centrale. D'ailleurs, les actions du côté de Saint-Étienne, elles venaient plus côté gauche. Ça a été un peu mieux quand on s'est réveillé côté droit avec Denis Sapia qui a fait vraiment une très grosse partie
de deuxième, de première mi-temps, donc les 20 dernières minutes de la première mi-temps de Denis Sapieha qui a été très bon. Il s'est vraiment beaucoup projeté sur ce côté droit et on le voit, il sentait les choses venir, il n'était pas en retard sur les ballons. C'est même la seule frappe cadrée du match, je crois, de la part de Denis Sapieha. Mais mis à part ça, ça a un petit peu ronronné devant les buts. On a très peu trouvé Gaëtan Charbonnier, qui en réalité était sur la même ligne que Jean-Philippe Crasso, comme ça a été dit sur Beansport, et c'est pour ça qu'on avait du mal à le trouver aussi. Il a dézoné à un moment donné, c'est Victor Lobry qui a pris sa place. Bon, là, j'ai pas trop compris le fait d'alterner comme ça, parce que pour le coup, Gaëtan Charbonnier, on sait que c'est quelqu'un qui va pas pouvoir faire beaucoup d'efforts sur les côtés. On l'a mis dans la surface de réparation parce qu'on l'attend à cet endroit-là pour marquer des buts. S'il échange sa place avec Victor Lobry sur le côté, même si je me doute bien que c'était un petit peu pour se faire oublier, et ben en fait, ça l'a pour moi complètement mis en retrait. Et à un moment donné, il y a eu un ou deux bons centres pour une fois de fait. Et Gaëtan Charbonnier, il n'était pas dans cette surface. Mais cela, ça a été réparé en deuxième mi-temps. Mais voilà, en tout cas, Saint-Etienne a quand même tiré sur le poteau en première mi-temps. Parce qu'il y a deux joueurs qui ont très bien fonctionné, Seymen Mouefek et Benjamin Bouchouari. Benjamin Bouchouari, un petit peu comme lors de la dernière rencontre contre Laval, qui va avoir une superbe occasion, qui va dribbler un peu toute la défense. Il y a un superbe 1-2 dans la surface. Et malheureusement, il frappe de sa patte gauche sur le poteau de Mathieu Michel. Il ne parvient pas à marquer le premier but de la rencontre. Je crois que c'est au bout de 10 minutes de jeu, à peine. On aurait pu se mettre bien, ouvrir le score, malheureusement. Ça n'a pas été le cas et on va revenir quand même souvent dans ce camp adverse. C'est plutôt nous qui avions la possession dans le camp adverse, mais malheureusement, on n'a pas réussi à se montrer suffisamment dangereux. Donc ce 4-4-2 qui n'a pas fonctionné réellement en première mi-temps, même si c'est nous qui avions la maîtrise du ballon, mais on n'a pas réussi vraiment à se montrer dangereux. Par contre, en revanche, ce qu'on peut noter, c'est que cette équipe de Niort, je rappelais qu'elle n'avait pas perdu depuis pareil la reprise de la Coupe du Monde, même avant la Coupe du Monde. Et là, elle a perdu ce match parce qu'ils n'ont pas réussi tout simplement devant à avoir des véritables phases. Boutoba, je vous disais que c'était un sacré joueur. On l'a quasiment pas vu de la rencontre. Il a été superbement bien muselé par le milieu de terrain stéphanois. Aymen Mouefek, Benjamin Bouchouari, même les défenses centrales, Anthony Briançon et également Seydou Sow qui ont vraiment pris ce joueur qui n'a pas réussi à être suffisamment dans des espaces pour pouvoir se montrer dangereux. Et ça, c'est quelque chose qui nous a beaucoup aidé. Donc voilà, à la mi-temps, c'est 0-0 entre les deux équipes. C'est assez logique parce que sur nos occasions, on n'a pas été si dangereux que ça. Ce que j'ai pas compris, c'est qu'en deuxième mi-temps, Laurent Batless, il ne fait pas de changement. Il attend la 60e minute pour faire rentrer la première recrue. C'était donc Bamba, Kader Bamba, qui a remplacé Mathieu Cafaro sur le côté gauche. Et un Kader Bamba qui était très, très en jambes. Je vous le disais qu'il était très bon techniquement, très rapide. Et en fait, les compilations que j'ai vues, c'est ce que Kader Bamba a fait. Et c'est lui qui va être à l'origine du but donc de Gaëtan Charbonnier. Franchement, il aurait été super s'il le marquait Bamba. Malheureusement, il frappe également la transversale. Et puis ensuite, on a Gaëtan Charbonnier dans le rôle qu'on l'attend, devant les buts, qui est très lucide. Voilà, c'est un attaquant qui panique pas. C'est aussi pour ça qu'on l'a pris. Et il a su se défaire du défenseur donc de New York qui était bien revenu pour inscrire ce but qui permet à Saint-Etienne de l'emporter en fin de match. On a été quand même plus intéressant en deuxième mi-temps, c'est créé plus d'occasions. On a eu plus de frappes, des frappes qui ont été cadrées. On a eu un Jean-Philippe Crasso qui était mieux qu'en première mi-temps. Parce qu'en première mi-temps, techniquement, il n'y a rien à dire. Il est vraiment au-dessus du lot, Jean-Philippe Crasso. Mais je trouve qu'il y a toujours ce geste de trop. Bon, les glissades, je peux pas trop lui en vouloir parce que vu l'état du terrain, franchement, tout le monde glissait un petit peu. Mais il y a toujours ce geste de trop. Voilà, on le connaît, c'est toujours un peu ça. Mais il arrive toujours à se défaire du marquage, donc il s'en sort. Mais des fois, il lèverait la tête un petit peu avant. Mais des fois, j'ai même l'impression qu'il voit les joueurs, mais il les servirait avant. Il y aurait peut-être des situations un petit peu plus dangereuses. Et en deuxième mi-temps, il a été un petit peu mieux dans ce rôle-là, Jean-Philippe Crasso. Et on a également eu le droit à l'entrée de Nkoudkou, donc qui a remplacé Benjamin Bouchouari. On n'a pas vraiment eu l'occasion de le voir se mettre à l'œuvre. Mais en tout cas, on a fini le match avec les 5 recrues sur le terrain. Donc ça, c'est une bonne nouvelle. Sous les yeux de Dominique Rocheteau, qui était donc au stade, les Verts ont réussi à s'imposer dans ce match hyper important dans la course au maintien. Ces matchs-là, il y a quelques temps, on ne les aurait pas gagnés, je pense. Mais là, Saint-Etienne a su avoir un petit peu de réussite en fin de match. Et ça fait plaisir pour finalement s'imposer alors que beaucoup d'éléments étaient contre nous parce qu'on a quand même frappé 2 fois le poteau. Et cette équipe de Niort, elle était pas mal en place. C'était deux matchs hyper importants qui se sont succédés en moins d'une semaine entre Laval et Niort, de matchs pour le maintien qui ont donc été gagnés par l'AS Saint-Etienne. Maintenant, on va parler de la dernière partie de cette vidéo. Je voudrais revenir sur la défense, sur l'aspect défensif de Saint-Etienne parce que ça fait quand même plus de 2 matchs qu'on n'encaisse pas de but.
Et oui, le dernier but encaissé par l'AS Saint-Étienne, c'était contre Caen. Un penalty, rappelez-vous, transformé par les Canets qui ont donc permis à cette équipe cannaise de faire un match nul à Saint-Étienne sur le score de 1 partout. Avant le dernier match encaissé dans le jeu, c'était de Saïd Dion contre Annecy autour de la 50e minute. Donc si on regarde, Saint-Étienne n'a pas encaissé de but en 2023 dans le jeu. Ça, c'est une bonne nouvelle. Ça montre que la défense commence à retrouver ses repères, commence à être mieux. De quoi ça peut venir cela? Forcément, ça peut-être venir également d'un gardien qui est plus rassurant. Peut-être que Gauthier Larsonneur arrive à rassurer cette défense, même si je reste persuadé intimement que ce n'était peut-être pas la priorité de recruter un gardien parce qu'il y a d'autres lacunes ailleurs. Il faut quand même se dire que les équipes, que ce soit Laval ou alors Niort aujourd'hui, ce ne sont pas des équipes qui ont été très dangereuses. On n'a pas vu un Gauthier Larsonneur sortir une parade exceptionnelle pour le moment, mais c'est quand même un gardien qui est très rassurant, plus que Mathieu Dreyer et plus qu'Étienne Green, parce que c'est quelqu'un qui va parler à son équipe. Et ça, c'est ce qu'il faut tout simplement pour rassurer. On sait que lui, il n'est pas dans la même dynamique que nous, parce qu'il vient de Valenciennes. C'était un des meilleurs gardiens du championnat. Il ne prenait pas beaucoup de buts. D'ailleurs, on voit Valenciennes là qui encaisse beaucoup plus de buts. D'ailleurs, leur gardien a fait une très grosse boulette contre Dijon. Mais c'est quelqu'un qui est rassurant, qui a un tempérament calme. Et je pense que ça fait du bien à cette défense, qui s'est également renforcée, il faut le dire. Parce qu'on a un Denis Sapia sur le côté droit qui sait vraiment défendre. C'est quelqu'un qui sait se projeter vers l'avant. Mais avant tout, il n'oublie pas son rôle principal qui est celui de défendre sur ce couloir droit. Ça, il le fait vraiment bien. En défense, on semble retrouver une bonne charnière avec Briançon et Seydou Sow qui sont tous les deux pour l'instant très calmes, très sereins. Pareil, Briançon, un vrai capitaine. On met beaucoup plus d'impact dans les duels. Je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais notamment en première mi-temps, on n'hésite pas à tacler avec Bouchouari, Mouefek, mais même Léo Pétraud a été très bon dans ce domaine des tacles pour gagner des duels, même s'il a un peu de mal dans les 1 contre 1, c'est vrai, mais on met beaucoup plus d'intensité, beaucoup plus d'envie, ce qu'on ne faisait pas lors des matchs précédents. Et ça, forcément, ça nous aide. Déjà, parce que quand on met plus d'envie, bah forcément, on gagne des duels. Mais on fait entre guillemets un peu plus peur à l'adversaire qui a peut-être plus de peur d'y aller quand il voit que des joueurs en face ils mettent de l'impact et la qualité physique on l'a. On a aussi la qualité technique, on arrive à sortir les ballons plus proprement, on arrive voilà à être beaucoup plus serein défensivement et du coup ça donne moins d'opportunités à la défense adverse, à l'attaque adverse. Et forcément là, ce milieu de terrain, Benjamin Bouchouari Mouefek qui a très bien fonctionné encore aujourd'hui. Donc ça permet tout simplement de rassurer toute une équipe, toute une défense, ce qui fait donc que nos adversaires ont un peu plus de mal. Mais attention, comme je l'ai dit, ce n'était pas une équipe exceptionnelle en face, qui n'a pas eu énormément d'occasions. Bah après, il y a quand même mon joueur, c'est Boutoban, on l'a bien muselé, donc c'est quand même que ça a bien fonctionné. Mais on va voir surtout ce que ça donne contre Sochaux, un match qui va arriver dans 2 semaines. Les Verts qui ne vont pas jouer pendant 2 semaines, bah s'il y aura ce match amical contre Clermont vendredi prochain, donc ça c'est bien, ça va permettre de garder le rythme. Mais il y a la Coupe de France et comme vous le savez, on est éliminé, donc on retrouvera les Verts dans 2 semaines dans un match qui se jouera Geoffroy Guichard avec une nouvelle fois l'appel au boycott des supporters. Voilà, moi j'ai terminé pour cette vidéo. On va voir comment le mercato va continuer d'avancer. Margot Dumont a dit que d'autres postes étaient privilégiés, notamment un milieu offensif, un milieu défensif et peut-être également un défenseur central. Donc on va voir bah, comment ça évolue. En tout cas, ce qui est bien, c'est que pendant ces 2 semaines-là, les recrues vont pouvoir travailler ensemble, vont pouvoir voilà essayer de mieux se connaître, de mieux connaître l'équipe, les principes de jeu du coach. Et on part, c'est toujours mieux de couper 2 semaines après avoir fait 2 victoires, même si quand on est sur une série de 2 victoires, c'est bien de pouvoir enchaîner derrière. Mais en tout cas, ça fait plaisir. On dit jamais 203. J'espère que ça va se confirmer contre Sochaux prochainement. Mais en tout cas, ça fait plaisir à voir les Verts qui remontent petit à petit au classement. Et à la 18e place, même si on est toujours relégable et qu'il y a toujours de belles lacunes dans le jeu, on sent quand même de meilleures choses. Et il y a de bon espoir, en tout cas, dans le jeu de l'AS Saint-Étienne. Voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de la rencontre. Je vous souhaite à tous une bonne semaine, bien sûr. Et puis, allez les Verts! Ah oui, juste avant de terminer la vidéo, merci, on a passé les 1800 abonnés, même largement 1820 abonnés. Donc vraiment, c'est énorme. N'hésitez pas à vous abonner si vous ne l'êtes pas encore. On se rapproche petit à petit de la barre des 2000 abonnés. Mais franchement, je vous remercie pour tout votre soutien, pour le nombre de vues qui ne cesse d'augmenter sur la chaîne. Donc ça me fait plaisir. En plus, les victoires reviennent et on peut enfin retrouver le sourire. Voilà, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Je vous souhaite une bonne semaine et puis, allez les Verts. Salut à tous.